Bonjour, bonsoir, bienvenue au troisième grand rendez-vous économique de l'année 2023. Comme vous savez, ça fait plus de 25 ans qu'on réalise cette émission. Mais pendant route là, n'ajoutez aspect politique là parce que l'économie a une influence très forte qu'elle subit de politique. Et depuis quelques années, c'est Franck Duval, rédacteur du journal Nouvelliste, éditorialiste qui toujours répond à l'invitation. Franck Duval, merci de répondre à l'invitation une nouvelle fois pour nous parler de politique, impact sur l'économie. Bonjour Christian Farel, bonjour tout auditeur, toute auditrice Radio Télémétropole. Meilleurs voeux à tout le monde, à vous-même en particulier. Son plaisir pour moi de m'avoir encore une fois à Nessa. Alors, il faut me dire que. Mon cap dit, mais pour qui sortait l'émission interview de Sidi Latou? Parce que c'était le premier qui te répond à l'invitation le 2 janvier pour le Devin Chita ramasser questions, discussions et échanges. Alors, Fan dit tout, c'était le premier gouverneur de Banque Centrale qui était dans l'ère moderne, qui était d'accord à répondre aux questions. Parce que moi-même, pas de gens qui connaissent le gouverneur de Banque Centrale, c'est qu'on parlait avant. Alors, bon, mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, on va annoncer où? Peut-être l'homme où il a réalisé l'interview, Franck Duval. Non, pas bon, il n'a pas fait titan. Baron, c'est moi qui ai mouru avant. N'a pas fait titan. Donc, vous voulez comprendre que le premier Mounio qui prend chance, vient dans l'espace, vient discuter, ça, c'est très important. Franck Duval, nous avons pile parole pour nous parler chaque année. Et caricature, nouvelliste, c'est extraordinaire. Nous allons mettre sur l'écran là. Nous avons un gros bol, c'est soupe. C'est PIA. C'est PIA. Si vous regardez bien dans le bol, vous avez des gens qui ont nez, qui ont noyé dans le bouillon qui ont fait là. En réalité, c'est PIA le représenter, c'est la situation nous qui le représenter, et c'est des acteurs qui ont œuvré, qui sont représentatifs de la reste société. Youn, c'est un monde qui semble en pile avec le Premier ministre Ariel Henry. Oh, c'est semblé, c'est pas non, caricature, c'est semblé, il n'y a pas photo. Caricature, ça travaille, youn qui semble en pile avec Ariel Henry. Gelek, c'est le Gepigo. Bon, c'est chef-là. Okay. C'est chef-là, c'est chef absolu. Deuxième, non, c'est ambassadeur canadien, c'est Sébastien. Qu'est-ce qu'il vous cette année? C'est ambassadeur qui devant. C'est ambassadeur qui a mené, c'est une dit. C'est ambassadeur qui parle au nom de la communauté internationale. Là, non, au moment côté que les États-Unis pas ambassadeur en Haïti. La France, on tient en retrait. L'Union européenne, ambassadeur par la Técoui. Je dis la tourne en janvier, mais on dit la tourne vraiment. Donc, il n'est pas en Haïti du tout. Il n'est pas en Haïti du tout. L'Union européenne, dans la République dominicaine. Et ça fait que c'est Canada qui vient prendre le devant de la scène. L'ambassadeur parle créole, il connaît Haïti très bien et il parle en pile. Il est très présent, il visite en pile province, il est vraiment visible. Et il se trouve qu'avec Canada, nous commençons l'année avec une conférence internationale. Il y a une conférence internationale, communauté internationale à la fête. Il y a trois conférences internationales, une grosse conférence internationale. Une Canada, une États-Unis, une la France. Mais Canada vient prendre un gros leadership. L'Elvin Haïti vient commander des blindés. Bon, des véhicules de transport de troupes blindés. Qui font pile parole, parole. Qui n'est pas fini, parce que jusqu'à présent, on a obtenu reste livraison. Et bien, Canada vient devant. Et les États-Unis viennent longer droit sur Canada comme pays qui a pris le lead d'une mission d'appui armée à Haïti. Et bien, Canada, encore une fois, vient au devant de la scène. Si bien que le Premier ministre Trudeau nommé Bob Rae, ancien Premier ministre canadien, ambassadeur Canada à l'ONU, comme représentant spécial libre pour venir visiter le pays de temps à autre. Ça vient de Canada en place spéciale. Troisième monde qui a mis en caricature, c'est Magali Komodeni, accord Montana. En 2022, janvier, Akon Montana élu en président avec un premier ministre. Fritz Jean, Steven Benoît. C'est un pas décisif qui fait et on a cherché solution dans la crise. Mais malheureusement, un an plus tard, nous avons dit que ça n'a pas beaucoup avancé. À un certain moment, on a l'impression que Montana était fâché avec Elulio. Au moment heureux, bien. Au final, c'est des acteurs importants. Tout ça dit. Deux communautés internationales là, c'est que faut que nous jouions un accord des accords. Et là, on dit un accord des accords là, c'est principaux représentants opposition avec principaux représentants gouvernement qui pour jouer un accord des accords là, c'est pas moi même avant. Mais est-ce que ça veut dire ces chefs de l'opposition pour qui ça gagne honneur ça pour retrouver l'opposition? Il se trouve que c'est Daniel Foot qui était bail Montana, m'ta ka dit wall ça. Et depuis Montana Kembe ont espèce de leadership, forme de tout Montana à certains moments t'est réuni la majorité des partis politiques de la Valas en passant par OPL, quasiment tout le monde est dans Montana. Je dis à la recherche qui est dans Montana, on n'a pas fini de jouer qui est. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui allaient, il y a des gens qui descendent camionnette là, il y a des autres qui montent. Mais Montana représentait à la fois la société civile et à la fois un parti, on brèche dans le parti politique. Montana prend pile coup pour Anéa, parce qu'il y a des gens qui étaient dans Montana, qui étaient des élus, qui étaient des acteurs politiques importants, qui viennent sanctionner.
Mais quand même, le Premier ministre Ariel Henry, communauté internationale représentée par Sébastien Carrière et Montana, c'est trois principaux acteurs d'un jouet économique, d'un jouet politique. Donc c'est trois mouns qui vraiment 22 ans ou dominé 22 ans. C'est au cap cuit ton bagage pour Haïti, nous pouvons continuer. C'est au cap cuit vraiment. On tourne encore dans la caricature là parce que. Et ils sont fous parce que les gens ont raté ça et moi toute manche neuf fois c'est problème nous c'est problème nous qui a chauffé pays c'est problème nous qui a chauffé pays et y en a d'ailleurs c'est insécurité. OK, donc plus bon insécurité, le bon inflation, donc nous avons plusieurs bagages qu'on mettait. Tout à fait, mais on a pas insécurité parce que insécurité c'est très marquant pour 2022 déjà. En 2021 c'était le cas, mais 2022 vraiment insécurité a frappé nous dès 1er janvier. Le premier ministre Ariel Henry, algo naïve, il est obligé de courir avec elle. Tout à fait. Vraiment courir avec elle parce que, je le dis, c'est une tentative d'assassinat. C'est le mot premier ministre. Et ça va bailler le ton sur toute cette année. C'est que chef, yo, à chaque fois, obligé de faire bac. Que le policier, que le chef civil, que le chef religieux, tout le monde mêlé avec pour l'insécurité. Canaan, je dis à la, son exemple d'un quartier qui, 1er janvier, pas de problème, mais qui, un an plus tard, vient de problème. Passer pour sortir dans la route nord pays a sont difficultés liées. Une partie de secteur économique là qui bloqué à cause de ça, que c'est la phyto, que c'est Moulin d'Haïti, tout le monde a un problème parce que zone là sont zone à problème. Toute zone touristique là a un problème parce que sortie nord pays a bloqué, sortie sud là déjà bloqué, toujours bloqué. Ça vient ba nous, on t'a qu'à dire insécurité à ces éléments majeurs là. L'insécurité a gagné de trois bails, on a couru dire rapidement. Mais est-ce que 1er janvier, Jean Moi, au palais de l'IA, c'est ton symbole? Ça veut dire qu'il marque tout récemment. C'est plus gros fête pays, plus gros chef pays, à la ville côté indépendance pays, t'es fête là, pour la fête, t'es fête là. En principe, son déplacement préparé. J'ai eu dit, il faut préparer ville là. Le gros victoire psychologique. Il faut arroser ville là, et puis l'arrivée, t'es à chaud au courri. Comment arroser ville là? Faut bailler comme pour nettoyer, pour faire fête. Non. Faut l'État dépenser, pour l'État préparer, visite autorité. Ok. Ville là, p'tain visite ça. Et puis malheureusement, visite a passé mal, messe fête dans courri, tiré, etc. Mm-hmm. Ça a été un élément marquant. Même d'où les marquants, mais le marquant, tant qu'on massacre marquant. Année 2022, il y a un massacre qui fait la plaine, il y a un massacre qui fait quoi des bouquets, il y a un massacre qui fait Cité Soleil. Massacre. Et les dit massacre là, ça veut dire qu'il y a plus que 10 personnes qui mourent. Canaan, il y a massacre qui fait, toute zone, ça, il y a massacre qui fait. Ça, tout, c'est insécurité à toujours qu'à manifester. Et on a un autre élément pour souligner, c'est les âmes. Parce que tout ça, c'est les âmes qui font. Et pour illustrer le problème des âmes, il y a un conteneur, l'église épiscopale avec les âmes là-dedans. Une institution respectable, respectée, ancienne, en principe, qui pas donne bail comme ça du tout. Voilà que la douane mettait main sur un conteneur, les ouvert conteneur avec des armes, des munitions là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, là, nous parlons de qui ça a fini, comme toutes les histoires haïtiennes. Voilà. Nous parlons de ça, la justice si dit, ça la justice fait, mais ça a été un moment marquant dans l'insécurité en Haïti, parce que l'insécurité a été alimentée par les armes. Les États-Unis font effort pour bloquer les armes qui ont sorti la caille. Haïti a un effort pour le faire pour bloquer les armes qui ont entré la caille. Pour le moment, nous n'avons pas trop de nouvelles parce que nous n'avons pas de saisie qui est faite depuis longtemps. Maintenant, sur ce palais-là, qui, encore une fois, qui frappait l'année 2022, des arrestations faites, nous n'avons pas entendu suite qui gagnait. Eh bien, il y a une inquiétude, moi, c'est que la justice mourit pendant l'année 2022. L'homme dit la justice mourit. C'est pendant l'année ça que vous prenez un palais de justice. Ouais. Bandi, vous mettez tout juge, tout avocat, tout le monde dehors. Et depuis lors, l'État n'a jamais retourné dans le palais de justice. Le tribunal est obligé à déloger, à quitter la commune dans l'autre commune. Tellement qu'il y a un problème. Comme on voulait, quoi des bouquets obligé à aller de tabac. Si tu es soleil, obligé à chercher l'autre côté pour mettre le tribunal là. Ça n'a pas de pression à fonctionner difficilement. Mais tout avocat a un problème, tout juge a un problème, tout système judiciaire a un problème. Et pour. D'accord, expliquer le plus grave problème qui est problème dans le secteur judiciaire là, jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas complété la cassation. C'est-à-dire, instance qui est pire, qui pour bailler le ton, n'est pas complet, n'est pas fonctionnel. Mais ça n'en baille pas mieux. De quoi vivent les professionnels du droit? Parce que ça, c'est une grande question. Pour le football, il faut jouer à ce jour-ci, seul ça au café, c'est des ententes. Entre monde qui n'en compte. Mais si c'est à plaider, non. Il n'y a rien du tout de ce genre qui se passe. Et les greffiers par en grève, c'est
pas que tu es en grève, c'est pas que tu es en grève, c'est juge qui a protesté pour un bagaille. C'est comme la, le cas Jovenel Moïse, qui est mm-hmm. emblématique du 21e siècle haïtien, un président qui a assassiné la Kaili. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, on a passé juge, on a passé juge, mon dernier juge qui l'a, qui a fait des arrestations 14, 15 mois plus tard. Tout ça pour dire, quand c'était retard, nous prenons sous cas Jovenel Moïse. Mais cas Jovenel Moïse est emblématique de toute la justice. Nous ne pouvons même parler de cas Montferrier d'Orval encore. Et toute notre arrestation qu'a faite là aujourd'hui, on ne sait pas qui j'ai fini. Ou par contre qui j'ai fini. Chaque jour, la police dit l'arrêté bandit, chaque jour, la police dit l'arrêté des mondes. Ou par contre qui j'ai fini, parce que le système judiciaire. Je questionne les professionnels, mais je veux dire, la police qui a arrêté un monde, il n'est pas coupable. Oui, donc, oui, oui, parce que arrestation pas en preuve de culpabilité. Voilà. Arrestation, son présomption, en principe, ou même présumé innocent, tant que c'est pour un juge qui déclare qu'on est coupable. Mais je dis à la, si son juge haïtien pour déclarer qu'on est coupable, on obtient un pile. Et qui veut dire, mon petit espace tout petit, on mette, on fait demande de pas d'espace pour. Laisse ça, Haïti vient coupable de. Et qui en ligon non, et les prisons sont trop pleines et. Parce que je m'en vois exactement. Non, 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 nous faisons détention préventive là, vint tout non abus, mais en même temps, tout vint une espèce de surpopulation carcérale. Parce que trop de monde en prison, trop de monde en prison, puis ce monde pas sorti. Année ça, à cause de choléra, quand pile prisonnier qui mourit. À cause de pays lock, pas de corps, pas de manger pour te battre prisonnier. Jacques Mel symbolise ça. En pile prisonnier mourit, en pile monde mourit pendant une prison. Port-au-Prince, tout est cassé, monde mourit pendant une prison sous compte l'État. Mais comme Haïti, c'est juste si Gombon Baye qui passe dans perte et profit, naturellement, nous ne pouvons pas même tirer les conséquences et les conclusions que nous devons tirer avec défaillance absolue du système pénitentiaire. Système judiciaire en défaillance, oui, mais système et pénitentiaire, défaillance totale. Donc, en 2022, l'insécurité est balancée. Toute bagarre, je ne sais pas comment est l'économie qui est capable de sujet, mais nous, le bagarre nous a ignoré, qui sert comme conséquence en quelque sorte. Toutes les conséquences. La PNH, j'ai satisfait. Oui, mais dès que tu es d'accord sur un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Bon, l'autre dit ça, chaque monde apprend parti par un verre. Mais qui ça nous est? Et là, on a dit avec le budget qui fait publier. Les moyens mis à la disposition de la PNH cette année encore ne sont pas à la hauteur des défis qu'on demande à la PNH de relever. Et il y a une augmentation. Hein? Oui, mais il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Chiffre pas à la hauteur. PNH besoin peut-être trois fois plus que ça va lire. Et ensuite, qui budget d'investissement PNH? Qui budget de dotation en équipement PNH? Yeah. Parce que PNH, son petit corps qui retrouve devant de gros problèmes. Mm-hmm. Et le directeur général a été très clair sur ça, les policiers n'ont pas formé pour ça vivre là. Yeah. Pendant que nous n'avons pas doté PNH de ça pour nous doter là, nous avons armé que nous n'avons pas décidé qui ça n'a fait avec. Tu as des gens qui sont à l'extérieur, débarquer, recevoir sous ta marque à l'aéroport. Ensuite, nous avons un groupe que le Premier ministre récemment. Mais c'est quoi? Eh bien, c'est ça, oui. C'est ça, nous avons dit le drame ici. Côté oui, puisque c'est... Voilà. Parce qu'ils sont, ils sont plus de milliers aujourd'hui. Plus de milliers? Oui, plus de milliers. Parce que c'est 400 et quelques jours. Bon, Kazen de Ogan, Kazen de Petite Rivière de la Tibonite, enfin, Petite Rivière de la Tibonite, même quoi là encore, puisque c'est ça, gang brand. Mais ça crive nous, c'est que nous n'avons pas décidé qui ça a fait avec l'armée. La communauté internationale a dit clairement qu'elle ne peut pas l'armée. Il va tout pas faire non, mais il doit pas appuyer. Nous déjà comme ça veut dire comme haïtien pas j'aime bien corps pour financer rien. Mm-hmm. Ça veut dire que on va mettre corps là-dedans, ça veut dire la prétend institution rabougri. Et de fait, depuis le président Jovenel Moïse mettait l'armée à sous pied, l'armée a pas jamais qu'à déployer de façon satisfaisante. L'armée a regardé l'autre jour là dans défilé là, ou un uniforme un petit gens dépareillé, ou une impression que mon yota ca mieux, mais là encore, ou garde budget, gain 2 milliards et quelques good pour la pour ministère de la défense. Et ministère et force armée, ça veut dire que l'État qui mettait là, qui kembel, pas prendre au sérieux non plus. C'est combien qui t'est sorti de Amérique latine, soit au Mexique ou bien. Mexique formé un peu. C'est combien il y a à peu près? Non, j'ai pas le nombre, mais j'ai l'impression au moins une centaine. Oui, mais ça fait. Eh bien oui, mais il y a là. Puisque ça, là encore, c'est même ça la police qu'on dit, ah oui. C'était bien pas ban l'ordre, nous pas gagné pour nous faire. Nous là. De temps à autre, il y a une opération conjointe PNH, force FADH qui fait. Mais malheureusement, il n'y a pas d'image. Parce que PNH, et c'est une faiblesse principale du gouvernement Ariel Henry, le gouvernement Ariel Henry n'a pas charrié qu'un discours, pas porté qu'un discours, pas donné qu'une explication. C'est comme si nous avons dit, ça l'a fait, ce n'est pas pour nous la faire. Il n'y a pas 20 têtes.
Même Joël Paca Vana, qu'on 21 décembre là, pour le ban explication, pour nous comprendre qui ça voulait faire, c'est tout comme nous pas comprendre qui ça voulait faire avec force de sécurité. Je dis à la gouvernement pas même plaindre que le Canada pas fini de livrer équipement. Bon problème. Ça fait 2 ans, de, même plus que ça, depuis que Jovenel Moïse a parlé de qu'il faut acheter des équipements, il faut acheter des équipements, il faut acheter des équipements. Monsieur Farrell, n'a pas regardé ce qui passe en Ukraine. Ukraine, un président qui est tellement dynamique, bien entendu, les deux situations ne sont pas comparables, c'est non. Vrai. Mais Gombag a au moins une carrière en Ukraine, non. Tout le jour, M. a plein, tout le jour, M. a demandé, et M. a demandé de tous côtés. C'est bon marketing. Ariel Henry, pourquoi aller de quel côté depuis le Premier ministre? Là, il y a eu deux sommets, mais en réalité, c'est des sommets côté qui ont tellement de monde qui a parlé, tellement de rendez-vous pendant la même journée, hein, qu'on n'a pas de temps pour parler à chef pendant plus que 15 minutes. C'est photo qu'on vient faire, c'est pas discuter qu'on vient discuter. Premier ministre haïtien, ou bien ministre affaires étrangères haïtien, ou bien ministre finance haïtien, t'es dos à faire le tour des capitales pour expliquer mes côtés de aller. Jusqu'à aujourd'hui, on parle avec diplomatie, on dit, par contre, qui ça Haïti voulait vraiment? Ni qui aide pour Haïti vraiment? Parce que Haïti dit des mots, mais Haïti, pourquoi j'aime qu'on vienne avec des documents pour le dire, mais ça ne va le faire, nous avons 200 hommes dans la mer que nous prenons, nous mettons nos unités avec la police pour faire 2600, nous avons besoin d'équiper ou bien, nous avons besoin pour on dit 50 véhicules, parce que acheter 10 véhicules blindés, ou pas qu'à faire avec 10 véhicules blindés. Mm-hmm. Autre que faire taxi avec, j'en sais un niveau là, je dis là. Parce que le conseil d'opération, il faut qu'il y ait plus de capacité. Même de taxi. C'est taxi, vous payez pour ça? L'association droits humains dénonce que dans la zone Choyo, la population paye pour traverser dans blindé. Bon, vous comprenez les policiers, vous mettez la fin de journée là, vous me crivez, bon, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, tout le monde fait monter et descendre. Bon, si vous avez des gens qui ont des roues libres, c'est ou bien vous remettez avec un monde ou bien vous finissez par faire payer. Bon, c'est l'offre et la demande, c'est une opportunité pour les deux. Et nous parlons de PNH, nous n'avons pas d'accord avec le chef de police là, pour l'évaluation de satisfaction. Bon, en réalité, quel que soit le chef de police, tu as la même évaluation hein, parce que les moyens ne sont pas à sa disposition. Mais il y a un général en chef de l'armée. Qui n'a jamais parlé, seul avec Nouvelis de temps à autre, nous avons dit ça, il parle à Nouvelis, mais en réalité, depuis le 18 novembre, année avant, pas 2022, non 2021, tu as un colonel qui a fait un fameux discours, qui a dit si on a des armes, des grenades, des hélicoptères. Bon, la mère n'a pas quitté le parler encore. Ah bon? Ah non, la mère n'a pas parlé, puisque la mère a dit des bagages qui pas fin ni droits humains, ni stratégie militaire, ni des bagages ou dit devant le monde. C'est des bagages qui ont dit nos réunions fermées, oui, mais ce n'est pas qu'on vient dire nos discours. Encore moins, pour venir demander publiquement. Il faut qu'on fasse des plans. Et une des bagages qui reproche à Haïti, c'est comme si Haïti n'a pas des interlocuteurs à la hauteur pour parler de défense et de sécurité avec paysans milieu. Pour finir pour partie, puisque nous sommes vides qui existent face à insécurité, ça va le terrain, comme vous avez dit, avec un symbolisme, 1er janvier, il reste année à venir comme ça. Tu as une discussion qui a fait pour avoir un support international et ça a divisé Haïti. Qu'est-ce malheureusement, il a divisé Haïti. Moi, parmi les gens qui disent que nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème pour contre nous, mais l'homme dit pas en mesure de résoudre le problème pour contre nous. Il va là pour le football, il va là pour la justice, il va là pour la sécurité, il va là pour quel que soit le domaine, M. Farrell. Football, ce n'est pas aujourd'hui qu'on cherche un entraîneur qui est à l'étranger. Qu'on raison de faire chercher un entraîneur qui est à l'étranger. Ce n'est pas aujourd'hui que les joueurs haïtiens ont fini par jouer à l'étranger. Sport nous pire, le sport plus populaire dans le pays, il n'y a pas de 15 championnats qui jouer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Sécurité, c'est la même chose. La police et l'armée n'ont subi que des échecs. Il y a eu des petites victoires, mais en gros, pas une zone qui était impraticable, je dis à qui est praticable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi ni contenir, ni éliminer menaces. Parce que menaces sont toujours là, intactes. Nous d'accord que c'est moyen que vous pas gagné, mais nous d'accord tout c'est stratégique manqué. Nous d'accord tout c'est encadrement qui manqué. Malheureusement pour nous, la communauté internationale a passé dans la bêtise. Bêtise. Ah oui, c'est le mot. Mon créole là, a passé dans la bêtise. Pour ne pas dire l'autre mot. Il y a près d'un an, il y a un basket fund qui est créé pour Haïti. Les Nations Unies a géré, États-Unis, Canada, Japon, mais de quoi là-dedans. Je dis à l'âme d'un mec, on est qui ça comme ça utile, qui ça le servit, qui dépense, qui fait. Mis à part ça, nul, les Nations Unies sont obligées de retirer comme frais de gestion. Beaucoup de gens, moi, on cérémonie qu'a fait côté que on dit à partir de basket fond Haïti a mais ça mais dotation ben PNH ça veut dire que il y a un problème à ce niveau. Deuxième niveau qui est problème, la police là jodi à l'an des conseillers, des consultants étrangers, des
des assistants, enfin, des gens qui ont aidé la police à faire mieux. De temps à autre, il y a une rumeur, la France veut que les gens faire formation, mais plus que formation, nous avons besoin des gens qui vraiment intégrer corps là pour avoir d'autres capacités. Parce que les capacités, on les acquiert. Les capacités, on va gagner, on va chercher les ressources. C'est comme pour toutes les autres choses. C'est une entreprise, dans toute l'autre, la police taille. Je dis à là, nous avons l'impression qu'on n'a marqué pas sur place. Et la communauté internationale n'a pas aidé. C'est comme la demande du Premier ministre depuis octobre pour une force spécialisée armée. Mais jusqu'à jeudi à là, sous dim qui n'a pas fait, je suis bien content. Mais moi, je ne suis pas rien pas fait dans ce sens-là. On va suivre le troisième grand rendez-vous économique de l'année 2023. Notre invité pour cette troisième édition, c'est Franz Duval. On va regarder l'aspect politique là et tout impact qu'il va avoir sur l'économie. Après un posant, on attend dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes bien à la troisième édition des grands rendez-vous économiques de l'année 2023 pendant tout le mois de janvier. On se rappelle bien qu'on avait le ministre de l'économie et des finances le 1er janvier, le 2 janvier le gouverneur de la Banque centrale. En général, la troisième édition, c'est M. Boisson. Maintenant, on a un petit échange peut-être politique là tellement chaud, on va être carréton. On a besoin de M. Boisson certainement pour la quatrième édition. Franz Duval, nous sommes parlé d'insécurité. Insécurité à qui ? Vous analysez le temps sur le plan local et mon cap bon support. Mais insécurité a voulu dire, ou est pour l'inflation qui éclate sous nous année ça, qui dépassait le niveau de 45% et qui est des côtés même, c'est presque à 50% dans le sud. Mais au niveau de la zone métropolitaine, on a concentré sur bien les services qu'il a. Mais il y a des gens qui perdent presque toute vie, qui ont fait investissement, totalement, qui goncaillent, qui douent la banque toujours. C'est un drame ce qui s'est passé. Alors, avant d'arriver là, on a commencé par le mot principal là, qui est affecté par l'insécurité, c'est le gaz. Il se trouve que le gaz là, est un symbole de blocage que l'insécurité a imposé nous. Et pays loc. On parle du 2 septembre. Oui, va rebloquer. Difficulté pour acheter, pour nous payer le gaz là, fait que jusqu'à aujourd'hui là, ou pas quand on dit qu'on prend une pompe, on a un gaz normalement. Ou qu'à joindre une pompe ça, ou pas joindre une toilette, ou qu'à joindre ça, ou pas joindre jusqu'à ou changer marché ville. A disloqué totalement. Voilà, totalement disloqué pour des raisons de prix, mais aussi pour des questions de sécurité. Parce que pour faire gaz à ce Port-au-Prince pour l'Algérie, ou tellement de barrage pour payer, ou tellement de gang pour payer, prix gaz n'a pas qu'à vendre. Et les villes mauvaises, c'est pas un gaz jusqu'à présent. Voilà, ça l'est. Même Port-au-Prince, on dit. Ça l'est affiché, ou pas qu'à appliquer, puisque les prix, on n'est pas dans la vérité des prix. C'est ça. Problème nous. C'est que quand c'est un moment privé, faut l'État finir par marrer ceinture, de accepter libéraliser encore plus gaz là, parce que nous voyons que nous avons d'accord payer les 1000 gouttes, les 1500 gouttes. Peut-être que quelque part, décision catastrophique, oui, mais faut quitter mon cap dans la province, décider lui-même de prix gaz là, veiller à ce qu'il ne fasse pas trop, mais en même temps pas peser cool non plus pour l'arrêter, parce que difficulté pour faire gaz d'arriver, nous connaissons et au compliqué. Gaz là déstabilise l'économie dans la disponibilité, dans le prix que le vend et dans l'impact qu'il gagne sur tout l'autre produit, sur tout l'autre bien, sur tout l'autre service qui gagne dans l'économie. Je dis à la, à cause de courant pas gagné, faut acheter gaz pour produire courant, produire courant vient coûter plus cher, ça a une répercussion sur tout ce qu'on fait. Ou besoin de taper une lettre, sous passer Delcor pour taper lettre là, ça lettre là, t'es comme un couteau pour taper là. Roman, je vais vous dire pour un monde qui est une génératrice, qui a fait production de biens qui pile toujours, ou bien qui a une chambre froide, qui a un moteur qui travaille, c'est catastrophique. Malheureusement pour nous, Kessler Farel, l'économie noire, le capteur nous a gagné, pas qu'à bail, on a dit finesse, bouleversement, ça a fait dans le pays en 2022. Mais vraiment, c'est un grand séisme qui frappe le pays au niveau économique. IHSI, ou qu'on met en doute fiabilité chiffre, mais comme c'est seul qui a bail chiffre depuis toujours, ils montrent que nous passons de 10, de 20, de 30, de 40 et nous presque quoi, on a fini au matin, on a dit que c'est 50 liés, ton inflation, 5 fois plus, 10 fois plus que ça n'a habitué à gagner dans un bon moment. Nous continuons à faire des croissances, tout chiffre dit. Yeah. Chaque année, l'État présente un budget, il espère que pour avoir une petite croissance. Chaque année, l'on regarde les problèmes que le pays a confronté ou comprendre que pas qu'il y a une croissance. 4 années consécutives, en moyenne, 2% perdu chaque année. Oui. Et là encore, c'est un chiffre que nous réussissons à calculer, voilà. Mais nous ne pouvons pas finir trois fois. Oui, parce que partie informelle, que personne ne va connaître ça, qui frappe que la preuve. Même partie informelle, ça a tout, quand pile des autres qui ont fait là-dedans, prix a explosé totalement dans l'informel là, parce que tout le monde a profité de son cob.
que c'est mon qui achète un gallon de gaz qui vendait deux fois, trois fois pril, que c'est chauffeur moto, que c'est machin figue là, que c'est machin poule pays là, que c'est machin fritaille là, tout le monde ajusté à la hausse et en précaution. Mm-hmm. En plus de l'inflation, en plus de taux de change, c'est que son facture tête chargée que le pays a prend, à partir de qui problème? Problème principal là, insécurité. Les ports bloqués pendant un mois, marchandises pas qu'à sortir, marchandises qui étaient dehors avec une vente pichet. Et comme les gars importés ont perdu Koblidi même pendant un mois parce que les marchandises étaient fermées, mm-hmm. sous prochain prix de revient, on va les limiter pour essayer de la rattraper. Voilà. Non seulement anticiper, mais il faut le rattraper tout. Yeah. Ici, nous avons deux mouvements que nous avons déjà fait. On a anticipé combien de dollars à pied, mais on a essayé de rattraper et vendre ou pas de vendre. Tout à fait. Tout ça pour dire que l'insécurité reste le premier problème, mais l'insécurité affecte tout le monde. Et gon l'autre baye nous pas dit. Jodi a la, quand c'est Haïtien qui a quitté le pays. La fuite de cerveau. Alors, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a des zones qui ont aspiré. Mais en même temps, tout, on comprend. Parce que, ou pour un premier coup, dans un mou pour un deuxième coup, ou même ou te manque mourir, eh bien, bon moment qui vient sur la capacité, ou aller. Il y a des gens qui font pas bateau, il y a des gens qui font à pied, il y a des gens qui sont en République Dominicaine, il y a des gens qui sont au Mexique. Tout le monde a cherché un pays côté que, bah, là, moins grave que ça lié ici. Là. Dernière décision de l'administration américaine, là, elle est dans le même sens, Haïtien a couru, et bien nous avons accueilli. Donc, d'insécurité, nous avons parlé là, au départ, là, donc nous voyons que toute économie, toute vie, il y a des gens qui sont crasés, coupés. Est-ce que dirigeants ou leaders ont une sensibilité à ça? Non, non. Soit tu as commencé à expliquer tout à l'heure, quartier côté, nous sommes obligés de quitter Kayo. Moi, des vidéos de Matissan. Moi, des vidéos de Bel Air. Moi, je recevais des témoignages de gens qui étaient la plaine, qui étaient la tremblée, qui étaient peignés. Des cadres de l'administration, des gens du secteur privé, qui étaient bâti caillou, qui étaient prêtés, qui ont un accomplissement. Qui ont pas fini de payer des fois, ou bien qui ont espéré transmettre comme héritage. Mais tout ça perdu, et pas qu'on côté pour me porter plainte. Parce que pour l'autorité, autant de il faut qu'on côté au calme à la veille. Pas un côté qui a porté plainte. Il y a des amis qui sont dans des situations de caillou perdu, et bien, ils ont porté plainte dans le DCPJ, ils ont dit que les gens mourent, ou dit non, ils ont couru. Ils ont dit non. Pas de plainte. Mais bien perdu. Banque n'a pas dit rien sur ça. Autorité n'a pas dit rien sur ça. Moratoire. Oui, mais moratoire. Nous comptons ça moratoire. Moratoire n'a pas résolu le problème. Ça. Moratoire, ben, on souffre. Son paiement différé. Oui, son paiement différé. Son paiement différé. Mais dans le cas où ça qui perd du bien, par contre, s'il a rejoint bien, mais qui a une dette, la solution ne sera pas adressée à quel côté. Et quel côté. Bien entendu, c'est difficile de l'adresser aussi. Parce que même constat n'a pas qu'à le faire. Même constat n'a pas qu'à le constater que nous n'avons pas qu'à jouir de bien. Mais il y a un vrai problème, il y a un vrai coût, et il y a un vrai, comme Tim Dazola, ça n'a pas intéressé nous de la part des autorités. Est-ce que c'est Port-au-Prince ou encore le reste du pays? Ou même c'est particulièrement Port-au-Prince, dans une grande région métropolitaine. Non? C'est dans quelques régions, particulièrement dans la Tibonite, côté qui a une base Grand Griffe qui a frappé, ou bien base Savien qui a frappé, côté que Mounio quitté des villes, quasiment villes abandonnées totalement. Il a abandonné totalement. Il y a des gens qui sont à Kaye qui ne peuvent pas retenir Port-au-Prince. Ah oui, ça aussi. À Kaye fait partie des grandes régions métropolitaines. Parce qu'on Port-au-Prince, qu'on y a. C'est quasiment Léogane, Akaye, Kenskoff, Kouadebouke, toutes ces Port-au-Prince. Ouais, ouais. Bon, parce que c'est, nous sommes une espèce d'étalage urbain. Et vous touchez là, Kouadebouke, c'est un plus gros espace territorial. Oui, plus gros commune. Plus gros commune. Qui vraiment, depuis quelques temps là, qui a relié que ce soit Plateau Central et la République Dominicaine, qui est un marché extrêmement important pour nous. Canaran, Gâté. Donc, Matissan presque oublié le Gounia là. Donc, voilà. Oui, c'est-à-dire, plus gros pôle de population, yo, et qui était des pôles, tout, ne voulait pas aller dans certains développements. Ouais. Nous, par contre, combien d'usines qui peuvent travailler dans la région, quoi, des bouquets, la plaine, etc. Parce que nous avons construit des usines, usines qui ont produit, et puis, je vous dis à là, c'est très difficile pour continuer de travailler dans la zone. Ça, yo. Nous parlons du secteur touristique là, qui a perdu tout le business, puis ce monde n'a pas passé Canada encore pour aller. Il y a des cailloux boulés sous côté des académies, mais l'autorité ne va jamais dire. Hein? Pète profit. Pète profit. L'État pas à me dire un mot. L'État pas à aider, il pas qu'à sécuriser et l'on perdu le badien. Mais c'est valable tout pour mon qui est Matissan qui, je dis à la, prend l'entrée dans la troisième année côté que le bacal la Kali.
Et l'on regarde Caillot vandalisé et parce que Caillot abandonné. Et nous parlons de près de 40% de la population du pays. Ah oui, totalement. Totalement. Et son miracle que nous continuons à vivre toujours, mais en même temps, tout, on a payé un coût très élevé au niveau santé, parce que ça, son autre bail n'a pas dit. Il y a le coût économique, il y a le coût émotionnel, yeah. Et puis il y a un coût que santé a payé parce qu'on a vécu nos stress permanent, parce qu'on a été pour un bal, parce qu'on a sauté, etc., etc. Santé à tout, les vignons, t'as qu'à dire, bien de luxe, parce que l'hôpital, yo, tout a coulé sous les problèmes. Je dis à l'hôpital, il y a expliqué. Ah oui, on a dit sous ça. Mais l'hôpital, il y a expliqué qu'on s'acrive avec post-gasoline, post-énergie dans le budget. Yo. Eh bien, il est obligé de fermer des services, il est obligé de demander, il est obligé de faire des acrobaties pour faire l'hôpital là fonctionner pour une question de gaz. L'hôpital général, il y a une raison de grève qui a fait là actuellement, c'est parce que les résidents ont fait une opération plus blackout. Le directeur général l'a expliqué. Bon, on ne connaît pas un président dans le palais, l'hôpital là tout passe sous sécurité priorité encore. Mais tout ça pour dire que les gens qui ont eu des achats, c'est le président qui est intéressé, mais ce n'est pas plus que l'hôpital dans le pays. Tu comprends les priorités. Ou t'apprends ou libre, ou libre. Oui, son ou libre, puis que l'hôpital paye, t'apprends pas le courant. Ou libre, la fini. Tout ça pendant que choléra frappe le pays en 2022. Choléra font retour pendant la période pays loc là, côté que par un gaz, production de l'eau traitée a campé, acheminer de l'eau dans tout quartier a campé, que c'est camion, que c'est petit camion, que c'est galon, li campé, eh bien, nous tombons bois de l'eau, nous joignons. Et choléra qui est campé depuis presque 2 ans, retourné à Haïti, retrouvé encore avec un tableau d'épidémie de choléra. L'organe épidémie de choléra, c'est qu'on classe dans le modèle pays plein de problèmes. Mm-hmm. Parce que c'est un problème hydrique, c'est vrai, mais c'est surtout aussi un problème que ou pas dans la propreté. Parce que c'est ça lié, l'on n'a pas de l'eau de bonne qualité pour boire, et bien c'est dans le dernier classement pays. Parce que c'est le boire de l'eau potable, c'est le minimum pour un pays. Et c'est là que vous parlez de santé, l'eau santé de toute bagaille, ça a autour, parce que les pas de santé, vous parlez même de santé mentale. Lorsque les gens qui travaillent à la première, pour le travail dans ces conditions, la déplacer, est-ce que la privée, le travail est un problème? Productivité, compagnie, on va pas toute bagaille. Toute bagaille, et là encore, nous pas de capteur pour vérifier sa capacité avec productivité entreprise, productivité l'État. Parce que nous n'avons pas que l'État a subi là, tant qu'entreprise, c'est employé qui a parti. Ah ouais. Comme c'est l'État, des comptes n'ont pas fait tout de suite. Mm-hmm. Comme c'est l'État, il n'a pas rapporté tout de suite. Comme c'est l'État, il continue à toucher, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de produit. Et au bon moment que tu es arrivé, même si tu es là, même si tu devais travailler, il n'y avait rien à faire. Ouais. Parce que la plupart des ministères, la plupart des organismes publics, ils ont perdu route. Enfin, pas de cap, pas de élan, pas de vision, pas de mission que vous remplissez. Puisque vous connaissez des difficultés, pas de budget, pas de moyens, pas de projet, eh bien, nous sommes ralentis, vraiment, gros ralentis en 2022, et ça a affecté le secteur public et le secteur privé. Et parlant de santé, vous avez parlé de l'eau, l'eau a été mauvaise de l'eau qui concerne les gains, mais si vous voulez un pays touristique, tout. Il dit que. Bon, ça me laisse apparaître. Pourquoi on a abandonné l'ambition ça? Oh. Non, on a abandonné l'ambition ça. À pas de. Non. Agriculture, c'est pas de. Non. On a abandonné l'ambition touristique là. Au Cap, qui était dernier, on a dit bastion, et ça passe au Cap en août-septembre, lui, on a dit représentatif de toute difficulté secteur à gain. Au Cap passe un très bel mois d'août. Mm-hmm. C'était fête 350 ans au Cap, c'était Miss Haïti au Cap, c'était dîner en blanc au Cap, c'était fête, vraiment fête, oui. fête. Avion full à débarquer au Cap. Et puis, au Cap passe une crasé brisé. 2 septembre. Craser brisé, c'est mon au cap encore craser au cap. C'est pas mon qui saute de l'autre côté, non, qui craser au cap. C'est mon au cap qui craser au cap. C'est comme si ça, c'est pas pour y'a lié. Et puis, ou bien ça, il va aller l'autre monde vient là-dedans, il est trop belle, et bien nous craser le bito. Et bien, je dis à la qui s'écrivait nous, au cap traumatisé, au cap qui a une capacité à toujours, oui, puisque au cap a toujours une capacité à. En pile dans le bagage, c'est des sites naturels que vous avez, son histoire que au cap gagne, que personne ne va retirer dans le même. Mais, faire au Cap d'une tournée au lieu une destination touristique pendant que Côte des Acadiens en faiblesse, mais tout le monde a hésité. Jacques Mel gagne tout à tout, mais il y a une barre qui arrive Jacques Mel, il y a un coup Jacques Mel prend, c'est accident ça, côté petit avion, tu as parlé Jacques Mel là, tombé, tout le monde mourit. Parce que qui s'accrive nous? Il y a une difficulté dans la route, nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas de passer.
et puis nous pas réglementer transport aérien. Nous quitter dans des zones haïtiennes. Qui ça enquête rapporté? Enquête. Monsieur Farrell, pourquoi nous faisons que 10 bagues enquête? Pourquoi nous faisons 10 bagues enquête? Par enquête. Ou du moins, nous n'avons pas de résultat enquête. Nous n'avons pas de parler d'enquête là, ni nous n'avons pas de parler de mesures que nous prenons pour assainir le secteur, pour régulariser le secteur, pour améliorer le secteur. Puisque qui ça vient arriver nous? Pas d'avion officiel qui a fait route là, parce que si l'avion officiel a pris trop de réglementation, tout le monde fait charter. Charter a vu nos bagages réguliers, oui, mais le pas officiel. Mais tout le monde connaît. Au final, connaît, aéroport connaît, passager connaît. Mais sous dis dans qui compagnie ou te fait accident, personne ne va répondre. Oui, mais comment pour autorité a fait accident? Ah, monsieur Farrell, nous accommodons de tout. Malheureusement. C'est dans ça nous y est, oui. Donc, normes, standards, procédures. Ah non, nous avons quitté eux parce que nous croyons que c'est des encombrants, oui. Si nous faisons un petit raccourci, la plus facile. Mais nous connaissons, moi, avant que le pays n'a pas construit comme ça. Insécurité, nous, tout ça, quelqu'un affecte, dit touriste à parler encore, diaspora, bon diable. Nous manquons pas de l'école encore, oui. Oui, c'est mon problème, l'école. C'est l'année 2022, là. Quand je m'écrive, mon abdi explique que l'école n'a pas besoin d'ouvrir. Oui, tu as une difficulté, oui, tu as un problème. Oui, l'école peut-être une semaine en septembre n'est pas ouvert vraiment. Mais dans tout pays, toute société, tout parent, tout le monde qui est petit monde, connaît que faut mettre plus sort capable dans tête petit monde non pour lui-même ni mieux que où. Personne pas obligé de faire des marches, de faire d'aka dire demander pardon pour l'école ouverte. Société a ta fait pour même si gagne la guerre, même si gagne tiré petit monde passé, laisser petit monde qui passer personne va attaquer. Malheureusement pour nous arrivons à un point de dégradation de amour propre nous. Amour nous pour tête nous pour pays pour petite nous côté qu'on a dit plutôt l'école va ouvert. Donc, une parenthèse qui fait là, qui a coûté très cher, ah, oui. 2022 depuis Covid, ah, oui. Là, oui, oui, parce oui, que génération oui. Ça, qui paye un nombre de jours l'école, on va parler de qualité, non? Oui. Pourquoi qualité? Et tout ça lié avec un secteur qui collapse avant, mais qui a banni tout problème nous là, lié le secteur politique là. Puisque qui a payé au fonctionner? Payé au fonctionner qui a? Bonjour matin, Dessalines Christophe Pétion, ouais qui a pas carrément esclavage encore, ils mettent tout ensemble, ils dit, n'a pas mettre blanc dehors. Là, on met blanc dehors, Dessalines, le gars de toute loi Dessalines prend. Pendant qu'il a fait 2 ans là, il a voulu construire une société. On est d'accord, on n'est pas d'accord, le code agréé, on n'est pas d'accord avec la Constitution. Mais depuis le ça, nous voulons faire un bagage cohérent, normé, égal à ce qu'a fait dans notre pays. C'était ça le rêve haïtien en 1804. Je dis à la M. Farrell, depuis quelques années, pas un parti politique qui a expliqué ça le faire pays. Par un leader politique qui a expliqué ça le faire pays. Ya. Et si je dis à la mando ou bien mando auditeur, téléspectateur, dans qui leader politique ou parier, ou marcher de elle, ou quoi, ou remet ça le dire. La question sera très difficile à répondre. Et société, ya, si au niveau politique, pas ni parti, ni leader qui ont un projet pour nous, si au niveau gouvernement, nous, nous disons déjà, pas ni discours, ni programme, ni proposition, c'est jouer à bouler. Si au niveau société civile là tout, parce que société civile là sont l'autre acteur qui t'a essayé de prendre bagaille en main, eh bien, l'on cherche qui sont joignent. Le néant. Le néant. Et si personne ne va essayer de prendre un logiciel pour faire machine dans marché, c'est normal que machine dans mette nous côté là, je dis. Ya. Pendant ça, privé, il y a un secteur pour année qui essaie de dire l'autre parole. Il y a le secteur privé haïtien. Il a tout défaut, il a toute faiblesse, il est responsable d'un pile problème que nous avons. Mais c'est un rare. Un premier groupe font tentative en août, un deuxième groupe font tentative en décembre. Et bien, il dit, nous d'accord, pour nous payer plus de taxes. Et c'est le plus gros changement, plus gros révolution que fait dans le pays en 2022. Des hommes d'affaires, pas n'importe lesquels, nous voulons insister sur ça. Ce n'est pas des associations coquilles vides, non, parce qu'on a une association secteur privé à gagner. Goto yo baladan. Non, c'est mettre entreprise yo fois ça, c'est moun qui vraiment gen kobyo, qui prend plume yo, qui parle, qui écrit, qui signe. Alors, encore une fois, comme ça, Haïti, yon bon moun qui dit, oh, yon pas sérieux. Peut-être que yon pas sérieux, mais comme yon signe, c'est nous pour prendre un mot. Roman? Mais, yon ba yon dit, yon pas payer plus taxes. On était sur ça seulement. Et puis, nous, la douane a fait miracle depuis lors. Jusqu'à ce que la douane arrive dans 10 milliards en décembre.
chiffre que la douane pour que les gens m'atteignent. Bien entendu, taux de changement peut-être pour beaucoup. Ouais. Parce que nous connaissons que. Mais, nominalement, c'est 10 milliards. Vous pas voulez, comme on partit dans le budget à 100 gouttes liées, 10 milliards là, c'est 10 milliards. Maintenant, le secteur privé, ça, l'État fait comme s'il ne attendait pas, il ne pas comprendre ça le dire. Alors que depuis tout le temps, le Premier ministre a été invité, dit OK, on vous prend au mot, comment va-t-on faire? Si réunion ça fait, on va au courant. Et s'il fait en cachette, il n'est pas utile. Hein? Parce que, faut que et l'un ça que monsieur prend, il faut que monde qui prenne à bras le corps, qui dit OK, on fait mieux. Parce que une chose que le pays a perdu ces dernières années, c'était le contrôle douane, port, frontière. Deuxième, ça pays a perdu, c'est la sécurité. Armée, police, justice, nous perdu ça net. Et troisième, ça nous perdu, c'est tirer la souveraineté de l'État. Parce que songez bien qui est-ce qui met Ariel Henry Premier ministre, c'est la communauté internationale. Pourquoi vous avez dit ça? Pour me dire que c'est lui qui mettait là? Non, nous comptons tweet là. C'est le tweet. Oui, c'est le tweet du grand groupe. Oui, parce qu'en principe, c'est Claude Joseph qui était Premier ministre. Jusqu'à présent. Oui, le tweet. Oui, le tweet tient jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous perdons la souveraineté, nous perdons le contrôle territoire, nous perdons le contrôle douanier. OK? Eh bien, premier pas, nous pouvons rejoindre la souveraineté pour 10 000 raisons. Il faut faire élection, il faut une entente, il faut un consensus. Ce que nous ne pouvons pas joindre, chaque monde a raison pour ne pas joindre. Sécurité, justice, police, nous ne pouvons pas joindre parce que nous pouvons rassurer les corps, nous pouvons rassurer l'équipement, nous pouvons rassurer les troupes, nous pouvons rassurer le support. Mais le premier, ça a proposé en 2022, c'est de nous retourner dans la douane, de nous retourner dans la taxation. Il y a des gens qui disent ah, il y a des chiffres qui ont publié, monsieur a dit mais combien il a payé, etc. Ah, il a payé 5 fois plus. Oui, et puis, dans tout pays, les gens qui ont fait tout ça, ils sont capables de payer moins. Dans tout pays normal. Même le président. Oui, le président oui, oui. Dans tout pays normal, l'État a boumé contre Mounio pour faire payer plus. Exact. En réalité, l'homme homme d'affaires doit payer 10 dollars. Ou pas pour dire qu'il doit payer 30. Ou bien pour regarder dans le livre, ou regarder dans la loi, ou regarder facture, ou garder... et puis vous dites, mon cher, ou doit moins. D'autant plus que l'État a la capacité de retourner en arrière son période pour faire mon payer toujours. Tout à fait. Bref, si on ne paye plus, c'est l'État qui ne veut pas. Mais j'aime dire là, parce que j'aime dire que l'État chita parle avec eux, acteurs ça, les plus importants du secteur privé haïtien, et là nous dit les plus importants, nous ne pouvons pas citer nous, nous voulons citer maintenant, nous connaissons nous, nous connaissons qui entreprise nous gagne, nous connaissons qui ça derrière nous. Eh bien, l'État haïtien a un travail pour le faire, pour nous retourner dans des capacités finances publiques, des ressources qui entrent, qui pour faire une sortie dans le déficit budgétaire et peut-être retirer pression sur le bout de là. That's it. C'est-à-dire, premier palier pour jouer une solution à un problème pays, il y a. Yes. Il y a plusieurs paliers, oui, mais palier souveraineté, je veux dire, si on n'a pas grand-chose dans la favelle, parce que n'est pas en état d'organiser l'élection. Panier justice sécurité à la pointe titan. Premier, ça, secteur privé a dit qu'il voulait collaborer fiscal, là-dedans. Là, mais allons-y. Yes. Allons-y. Rélez tout le monde, dis mon cher, nous sommes chez oui, mais on compte en plus. On a bien saisi pour qu'il y ait d'accord avec pays. Parce que, sous ça, semaine ça, on ne dit pas que c'est fait ça, non. Parce que les premiers groupes ont signé, documents ont signé, secteur patronal haïtien, pour qu'il y ait parole sanction. Voilà, sanction, c'est pour la dernière partie de l'émission. Tout fait transition pour nous. On a proposé et on a pris dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. On a suivi le magazine économique, bien sûr, particulièrement les grands rendez-vous du mois de janvier. Nous, dans la troisième édition, c'est Franz Duval qui est avec nous, comme chaque année depuis quelques temps. Je suis toujours venu pour l'aspect politique, là, parce que. Le modèle que nous avons pour faire prévision économique, là, c'est bien, mais tout le temps, c'est pour les politiques. Chaque année, nous allons faire croissance et nous allons tomber en bas en ce sens-là. Donc, nous allons passer à la troisième partie, à côté de parler de sanctions, si vous avez annoncé transition. On met des caricatures. Sanctions, c'est plus gros événement l'année. C'est plus gros événement l'année. Son tremblement de terre plus grave que le 12 janvier. Et 12 janvier, c'est on a dit le rivé et puis le fini. C'est guéri pour guéri blessure, mais. Sanctions sont chaînes qui sont chaînes de séisme. Sanctions là, pour le moment, il y a un, deux, trois, quatre pays qui prennent sanctions contre des Haïtiens. Dans quatre pays qui prennent sanctions contre des Haïtiens, il y a le Canada qui prend sanctions contre un pile monde, y compris pour la première fois dans l'histoire récente, nous, contre l'ancien président haïtien, contre le président parlement, contre sénateur en activité. États-Unis prend aussi des sanctions contre des mondes aussi importants. Et États-Unis prennent des sanctions contre des ministres qui étaient en fonction. Combien on est total là pour le moment?
Une quinzaine de monde, quoi, même pas sûr exactement le chiffre là, mais à des niveaux très élevés. Et Royaume-Uni suivent, l'ONU prend sanction contre un chef de gang. Mais tu as une promesse la fin d'année avec un projet moi. Excusez-moi. Et la République dominicaine tout prend sanction contre un ancien premier ministre avec contre plusieurs chefs de gang qui disent qu'il n'y a pas entré la CAID. C'est quatre pays, ça, États-Unis, Canada, Royaume-Uni et la République dominicaine qui prennent des sanctions contre des autorités ou des personnalités haïtiennes. Maintenant, l'ONU a travaillé parce que l'ONU a un comité de sanctions, parce que les sanctions n'ont pas sorti dans le ciel. Le gouvernement haïtien a demandé pour sanctions. États-Unis avec Mexique a appuyé de maintenant. Les Nations Unies votent une résolution dans le Conseil de sécurité pour mettre des sanctions contre les gens qui ont financé gang, qui ont financé des ordres, qui ont fait des armes entrer en Haïti. Et sous base ça, il y a n'importe quelle sanction à n'importe quel moment. Sanctions pour continuer, selon sa toute source d'Innovelis. Sanctions pour intensifier. Bien entendu, toute diplomatie du but sanctions, ce n'est pas de nuire personne, non. C'est de faire changer de comportement. Sous changer de comportement, on a retiré. Ah bon? Ah oui, parce que sanctions, c'est pas un jugement. Ce sont des décisions politiques qui sont basées sur l'information qui est disponible, mais qui sont basées surtout sur le comportement que vous avez. Diplomatie est claire sur ça. Nous voulons que le secteur privé haïtien, que l'acteur politique, change de comportement. Mm-hmm. Sous son geste qui s'est passé en 1993-1994, le président Aristide était en exil pour l'entrée et qui a été pris des sanctions contre pile de monde. À l'époque, c'est les États-Unis qui ont pris des sanctions. Mais qui a sanctions été fini par lever. Un jour matin, le secteur privé qui a financé coup d'État, qui a financé militaire, levé l'Almia, mis nos conférences avec le représentant Jean-Bertrand Aristide, il a fait la paix et puis Jean-Bertrand Aristide tourné et puis toutes sanctions levées. Sanctions, ce n'est pas pour craser business ou sanctions, c'est pour faire marcher ou pas. C'est clair et net. Donc, est-ce que ça peut apporter des changements vraiment de comportement? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Parce que nous, nos pays, côté que nous venons vivre libre ou mourir, c'est ça que nous avons nous. Vivre libre ou mourir. Au moment où on arrive, on dit ah, comme moi, sensible, je vais faire ça blandir. Mais au moment où les Haïtiens disent bon, qui met l'île? On ne sait jamais avec les Haïtiens. C'est qu'on s'ennuie, nous toutes, en ce qui nous concerne. Et des fois, nous pas rationnels. Des fois, nous pas prendre décision qui est sage là. Des fois, nous pas prendre décision qui est plus bon pour nous. Hein. Des fois, nous réagit de façon, d'accord, instinctive. Et puis, nous dit bon, on verra. Gouverneur Alain Plasso là, nous avons parlé de sanctions. Il dit pas secouer le système financier haïtien. Pour le moment, non. Parce que les États-Unis pas frappé fort. Mais si les États-Unis décident de frapper plus fort, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Et si les Nations Unies font une grosse distinction, nous ne savons pas qui ça a privé. Parce que dans la distinction, c'est deux catégories de monde qui ont frappé. C'est avant tout des hommes politiques et des hommes d'affaires. Même moi, mettez sanctions et mettez caricature pour nous encore. Et nous prenons le voir que l'autre caricature là, nous prenons le voir que la situation, vraiment, c'est comme si sont un fort qui est attaqué. Bon, ils sont forts parce que messieurs qui prennent sanctions, c'est les plus grosses têtes d'Haïti. Et dans la politique et dans le secteur privé. Ce n'est pas des petits joueurs, non. C'est des gens qui sont vraiment installés, qui sont joué de politique là depuis des années au plus haut niveau. J'aime dire là, là-dedans, il y a un ancien président, Michel Martelly, il y a trois anciens premiers ministres qui prennent sanction. Claude Joseph prend sanction de la République dominicaine. Et lui, M. Séan prend sanction du Canada. M. Lamotte prend sanction du Canada. Ensuite, sénateur lors de Saint-Biba, ministre et homme d'affaires. Ce n'est pas des joueurs et. Et il y a des gens qui font la classe politique là, on ne sait pas côté le Bralia, c'est parce que le plus gros candidat a pris sanction. Qui est-ce? Non, pas bah, non, personne, monsieur Farel. Mais les gens qui sont candidats à l'élection, les gens qui comprennent qui n'ont pas le candidat à l'élection, ils sont sanction. Oh, c'est des acteurs assez importants. Ah, mais oui. Toutes ces des membres de partis politiques, des présidents de partis politiques, j'aime dire là, des anciens présidents, des anciens premiers ministres. En pile, ils sont candidats déjà à la présidence ou bien à des postes importants. Ben, c'est eux. Et voilà, premier ministre annoncé élection. Bon, premier ministre. En annoncé... budget, il mettait comme pour l'élection. Oui. C'est très bien. C'est très bien, c'est de faire la prévision. Et comme pour les partis politiques, et comme oui, pour la... de faire la prévision, mais on travaille de pédagogique pour faire, on travaille de communication pour faire. On travaille de institution pour monter. Parce que je dis à l'institution va là. Comme observateur ou même, qui soit ouais et sanction, est-ce que ça a un impact? Non, il y a un impact sur ceux qui sont concernés,
sur les alliés et les amis, et nous dit qu'il y a un impact sur la douane. Vous ne voulez pas parler, il y a un impact sur la douane. On pensait ça contribuer à... Monsieur Farrell, le 12 septembre commencé, au prétexte du gaz qui a augmenté. Mais très vite, la rumeur a dit que la rue n'a pas chauffé peut-être gaz là, la rue a chauffé peut-être des mounes qui ont été dit en août, il faut commencer à payer taxes. Pas même la rumeur, vous rappelez que... Non, après ça. OK. Non, après ça. Secrétaire général. Non, Premier ministre pourra le dire dans le discours. Secrétaire général de l'ONU pourra le dire. Les États-Unis pourra le dire. Et après ça, viendront les sanctions. Tout ça parce que le contrôle des douanes, c'est où on a pu quitter le pays il y a ces dernières années. Parce que non, pas quitter Haïti. Haïti, qui c'est pas le business qui gagne Haïti, M. Farrell. Deux business. Importation pour nous faire commerce, 20 dollars. Pas quel autre business. Après ça, un petit business qui est sous-traitance qui a exporté pour moins d'un milliard. Mais sous-traitance qui est le premier poste d'exportation, c'est le troisième point. Parce que vrai, ça n'a fait ici, ça a acheté 20, commerce, il faut passer au non-port ou bien sur frontière, il faut payer la douane, dépôt ou bypass la douane. Et bon, tout le pays, puisque la principale activité du pays, c'est ça. Lié. Deuxième, c'est acheter 20 dollars. Acheter 20 dollars, Banque centrale. Prendre des mesures pour l'Ouest le plus que possible à faire entrer dans le secteur formel là. Parce que l'autre bataille qu'il a fait avec nous, la communauté internationale là, parce que ça qui a pris 20 là, son bar est monté depuis des années, oui. On prend la douane et la frontière. Les États-Unis ont gommé avec nous, fait réunion avec nous, avec la République dominicaine depuis des années, pour plus sérieux, oui. Harmoniser. Mais il se trouve que, et ce n'est pas par hasard qu'on ancien directeur de la douane qui est sous sanction, directeur de la douane lui-même, semble-t-il, a ouvert les portes pour que. Les gens qui ne peuvent pas payer, entrer, viennent faire ça, ouvrir la douane. Et ce changement, ça, que les États-Unis, c'est l'un, les résultats pour un petit temps pour nous, mais c'est ça qui a réglé là. Faire Haïti tourner un pays normal, côté que le pays a contrôlé l'entrée, contrôlé la sortie pour nous avoir moins de déficit, pour nous dépenser plus efficacement, et ensuite pour nous, si nous avons un cob, pour nous remonter. Système de sécurité, nous, et finit par joindre souveraineté, nous, en faisant des élections côté des élus pour le pouvoir. Pendant qu'on parle de la douane, là, moi, ouais, au moins deux fois minimum, le chargé d'affaires. Alors, une visite à nous. Alors, une visite à nous. Oui. Est-ce que le Premier ministre. Non, le Premier ministre va descendre Bicentenaire. Le Premier ministre a quitté Bicentenaire, c'est quand il a un bureau, il parle dans le bureau encore. Ou à commander le problème de la douane. Bien entendu, la douane, entre-temps, déménager. Mais là encore, ce message, ça que l'État haïtien, le Premier ministre, pas bail. Ce n'est pas normal pour chargé d'affaires américain contre qui institution pour la supporter, pour avoir un appui visible. Parce que c'est des messages que vous avez à le directeur de la douane, vous dites que le travail bien continué. Et bien, il faut que l'État ici fasse le même travail là. Il faut que l'autorité dans notre pays comprenne que ça qu'a fait là sans faveur au lieu. Et bien, on doit appuyer ça. Mais là, nous manquons, à la forme du Premier ministre, autant dans la politique longtemps, mais autant peut-être, disons, droité que le pagain. Encore une fois, je retourne à l'intervention que tu as faite là. Le gouverneur de la Banque centrale, vous avez expliqué tout à l'heure à qui il y a un lien entre fiscal et monétaire. Tu as battu bravo le fait que la douane ait plus d'argent. Ça veut dire qu'il y a une modèle moins. Malheureusement, là encore, le gouverneur de la Banque centrale, là, pas sorti des notes qui sont assez, je ne vais pas dire sévère, ce n'est pas le mot, parce qu'il n'y a pas pour le sévère, mais qui est assez proche de ce que souhaitable pour le pays. Souvent, nous avons enregistré ce qui passe. Mais quand on écrit, la Banque centrale qui a tout cerveau là-dedans, qui a tout appareillage là-dedans, il faut faire des notes de perspective pour nous dire, bon, si nous changeons tel bagage, nous changeons tel bagage, là mieux. Il n'y a pas de temps, mais il faut que nous côté dans le pays, il y a des gens qui font des propositions de ce genre. Qu'est-ce que nous faisons fait partie par là depuis des années, mais institutions publiques, il faut que nous côté, le ministère plan pas fait, ministère des Finances pas sorti avec un document. Banque centrale qui continue à produire toujours, mais de temps à autre, il faut des autorités, mais peut-être des routes pour nous apprendre. Vous avez attiré l'attention comme économiste sur les deux plus grands secteurs selon vous-même, vous avez dit importation avec marché d'échange. C'est ça qui domine l'économie haïtienne. Oui, oui. Donc, marché d'échange là. Et Gomi Rakanea, 2022, dollar pas j'aime aussi haut. Pas j'aime aussi peu de plein. Quoi, justement, en fait? Oui. Mais dans ce soir, Abdi, le gouverneur de la Banque centrale, là, ça a mis les coups de gueule parce que ces fameuses conférences de presse, les bas, là, qu'on a dérapé, qu'on fait conférences de presse pour pointer du doigt certains acteurs. Mais il paraît que, quand pile secteur qui n'a pas gagné dans le dollar, qui aujourd'hui a dit bon,
on a fait plus comme sous marché ça que business. Il va là aussi bien pour nous recevoir $50 que pour nous qui entrer dans le change très tard. Yo. Oui, tu as bien dit. Non. Les gens qui entrent dans le change très tard. Monsieur Farrell, on connaît le pays. Il va là aussi bien pour nous qui recevoir $50 qui veulent rejoindre plus comme. Malgré tout ce qu'on peut dire, prix augmenté, oui, mais malgré tout, les jeunes plus cob dans ce qui a passé là, et les gens qui ont changé tout, ils voient que le cob qui a fait là rapidement. Il n'y a rien de plus rentable que le change, que la spéculation sur la, contre la goutte. Donc, des conversions de métiers qui font, des conversions ah, oui, de business oui, qui font, oui, qui disent, oui, ah bon, on a qu'un ça devant, oui. Il suffit qu'on regarde. Ou regarde, sous $100 le 1er janvier 2022, et puis $100. Le 31 décembre 2022, pour quels sont les gains? Parce que malgré tout, il y a des prix qui ne peuvent pas suivre, Jean Dola peut augmenter. Donc, c'est une situation extrêmement difficile de marché sérieux, le marché pétrolier et le marché d'échange. Oui. Est-ce que nous sommes capables de changer, mettre des normes et des procédures, réguler les sans un changement politique? Je pourrais dire encore, je dis à la, pas qu'une personne à ma connaissance comme journaliste qui a écrit le logiciel changement ça. Ni dans le parti politique, ni dans la tête de l'État, ni dans l'institution internationale qui a supporté Haïti. Mais on connaît toutes les mauvaises habitudes. Bah, qui durent. Ah ben oui, mais les mauvaises habitudes. Oui, mais au moins, il faut que quelqu'un fasse tentative. Je dis à la M. Farrell, les mêmes acteurs politiques qui ont parlé, ils redisent les mêmes choses. Et souvent, ça s'arrête à moins pour Ariel Henry ou même contre Ariel Henry. Proposition parle plus loin. Proposition par le pilon. Les problèmes sont devenus beaucoup plus complexes. La situation est beaucoup plus difficile. On n'a pas senti que l'acteur politique a monté à niveau pour résoudre le problème. Non. Je pourrais dire encore, deux notes, deux groupes secteurs privés ont sorti à Nessa. C'est pire au niveau de réflexion que fait sur le problème Haïti. Et, bon, pas qu'à moi de faire prévision économique, mais toutes choses étant égales par notre modèle ministère qui est certain optimiste. Mais ou même comme analyste politique, si nous répétons même année, et il y a une probabilité que le fait. Donc, c'est 5 années consécutives de contrat. Nouvelliste dit, semaine, ça, un éditorial qui fait dans début janvier, que miracle mis à part, pas d'élection en 2023. On prévoit ça? Oui. Bon, nous est devant nous. Pas de changement majeur au niveau sécurité, si pas d'aide extérieure qui vient. Et pas de rétablissement de l'économie, si pas des mesures vraiment extraordinaires qui prennent. Mesures extraordinaires passées d'abord par l'État pour entrer plus cob, qui pour faire moins déficit, qui pour faire moins pression sur le goût de là, qui pour faire inflation au fond baisser. Et nous pas maintenant ça, ça qui a passé à n'importe quel moment dans la guerre qu'a faite en Ukraine. Parce que facteur extérieur, ça n'a pas relevé de nous, mais il y a des incidences très graves sur nous. Je dis à la pétrole à $74, c'est-à-dire un prix qui est acceptable. Mais à n'importe quel moment, il y a une déflagration, il y a un bail qui arrive, la Chine a décidé d'envahir Taïwan, enfin, il y a n'importe quoi qu'a fait. Parce que si il y a un bail que nous avons dit qui est sûr, c'est que le monde est instable. L'un des levés, l'un des dormis 22 février 2022, personne ne va penser que Poutine va envahir. J'ai envie de parler là, ça va pas. Pas de ça du tout, n'a aucune perspective, mais voilà que l'arrivée. Et ça arrive encore, ça arrive à n'importe quel moment. Alors que bon plusieurs... acteur, nous ne pas parler de lui du tout, que la République dominicaine, qui, d'accord, dit, Abinader en opposition de Goumé avec Haïti, de Goumé avec Claude Joseph, c'est Goumé ça qui était plus visible, mais en réalité, son président, pas un dominicain d'origine, qui n'a pas fait Haïti avec un cadeau. Je crois que tout est là. Et qui a préparé l'élection, là. Oui, qui a préparé l'élection, qui n'a pas fait Haïti avec un cadeau. Il m'était mu, dernière décision, le prêt à le dire, le pape voyait vendre nos œufs. Mais où est son monde? Quelle est cette histoire? Bon, il protège ses consommateurs. Parce que Haïti n'a pas produit œufs. Ou du moins, produit de moins en moins. Puis, gros compagnie a fermé depuis octobre à cause de problèmes de gaz. Sénateur Latour, tu as fait tout, je suppose qu'il y a des difficultés ces jours-ci. Route bloquée, etc., etc. Eh bien, parce que là, on fait œufs à Léogane pour faire l'entrée porte au prince, M. Farrell. Ah ouais. Bon, ben, et ces œufs ont poté. Ouais. C'est compliqué. Eh bien, gon pression, Haïti besoin de manger des œufs, n'a fait Dominique et voyez œufs banon, mais elle dit ça fait prix augmenter la Kaili. La font bloquer l'exportation pour qu'elle serve marché la Kaili, pour prix pas monter, parce que lui-même tout l'a fait face à l'inflation, lui-même tout l'a fait face à l'autre problème économique, l'a subventionné. Parce que une bague que le business dominicain a fait, c'est prendre subvention dans l'État dominicain pour vous faire dumping ici.
Et la paix politique. Oui, et la paix politique. Des fois, ce n'est pas un problème, mais des fois, tout, l'autorité dominicaine elle-même, comme les pays sous contrôle que par Haïti a, elle dit non, il faut passer à la tête, moi, à la caille, moi, avant, que mal servi Haïtien. Tout à fait. On a fini avec les personnalités de l'année. Donc, si Gomba n'a pas bloqué la nouvelle liste, c'est ça. Donc, non, a, non, malgré non. tout problème qu'il y a, il y a eu des personnalités de l'année. Et comme vous m'avez dit, la dernière fois, c'est comme si vous étiez écrasé l'année, c'est positivement simplement. Donc, non, 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 c'est quelqu'un qui a marqué nous. Et je vais commencer par Robertson Alphonse, qui oui. sont collaborateurs, qui sont amis. Mais qui représentait pour nous, pas lui-même, non. Qui représentait pour nous misère journaliste passé en 2022. Pas jamais il y a autant de journalistes qui mourent en Haïti, qui attaquent en Haïti. Robertson vivant, nous très contents, mais il y a 7 autres journalistes qui perdent la vie. Jeudi 6 janvier, là, marqué premier anniversaire, 2 journalistes mourus la boule 12. Tout ça pour dire que le métier de journaliste, le métier d'informer, n'a jamais été aussi en danger en Haïti. Et, pour me retourner dans la souveraineté, démocratie, élection, si pas une bonne, si pas une bonne presse, pas une bonne démocratie. La presse a une faiblesse, oui, mais c'est renforcé pour nous renforcer, ce n'est pas éteindre pour nous éteindre. Les journalistes prennent des risques. C'est expliquer pour nous expliquer, c'est former pour nous former, pour qu'on connaisse qui j'ai pris son série de terrain. Robertson Alphonse, pour nous-mêmes, symboliser toute misère. Et c'est dommage misère. Que c'est la condition ça qu'on honore. Malheureusement. Parce que bon, le, oui. lorsque mes finances, nous étions honorés, monsieur, pour le travail. Le talent est là, mais ah, oui. année ça en plus, il a été victime. Ouais. Il a failli être sacrifié. Perdu, monsieur, voilà, là, vraiment. Tout à fait. Il n'était pas capable de parler au passé de Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Deuxième personne. Deuxième. Et comme si Morgan Mouest personnel, il y a des années. Non, toujours 12, toujours 12, toujours 12. L'autre monde, c'est Michael Benjamin. Oui. C'est le choc de l'année. Wow. Et j'ai eu chance de parler avec elle quelques minutes avant. On était dans l'espace là. On était là. Moi, ça crivait là. Moi, massage cardiaque. Moi, minute qui a passé. Et puis, quand on crivait, je me dis tête moi, quel que soit X, ça va finir mal. Et ouais. Bon, c'est ça, je me dis tête moi. Mm-hmm. Parce que moi, il faut que je fasse. À la fin, je fais me sortir. Je suis dans le monde qui sorti. Et puis, je prends une nouvelle dans mon secteur jusqu'à ce que, malheureusement. Mais tellement de mauvaises paroles qui parlent sur ça. On a opéré dans oui, ça. Oui, 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 oui. C'est des procédures. La France et les États-Unis ont deux procédures différentes. Les États-Unis, si on va arriver, ils ont pris un courrier dans l'hôpital. Okay. La France, ils ont fait l'hôpital la vie de Jouenou. Okay. C'est deux procédures différentes. Mais la procédure, ce n'est pas pour Michael Benjamin le fait. Il fait pour quel que soit sa crive en France. Les Didane a fait accident, il va te mener à l'hôpital. C'est l'hôpital là que tu es venu à terre. Donc c'est au principe, c'est principe même là. Oui, c'est principe là. Et tous les corps de secours étaient présents à la Cour Arena ce soir-là. Tu as un pompier, tu as un secouriste, tu as un docteur, tout le monde est là. Mais tellement tu es là qu'à un certain moment, nous-mêmes, les journalistes, nous disons oh, mais pourquoi ça a tout sauveteur ça yo? Mais en réalité, son salle de 15 000 personnes. Ça t'a attiré l'attention avant. Oui, 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 nous t'es ouais, devant. Parce que entre Michael tombé et sauveteur monté, pas une minute qui passait. Parce qu'ils étaient là, tout près, devant la scène. Yannick dit, non, mais quoi, que grand monde qui a un problème, secouriste, montez tout de suite. Et tu vois, on n'a pas d'anticipation de gouverneur. Ce que nous avons dit, bon, on va gaspiller son réseau. Mais voilà un principe. Oui, oui, c'est un principe lié pour eux. Mais Michael, qui son jeune moi, garçon que nous connaissons. Qui... choc là, c'est une. Regardez la réaction des voilà. Haïtiens. Voilà. Et réaction, bah, elle pourrait qu'un Haïtien mourir déjà. Ok. Toute communauté, tout le monde rend hommage. Parce que Michael bon, Benjamin, comme si besoin oui, hommage. Michael Benjamin, ton artiste disponible, son artiste qui était pour ton image d'Haïti, son disponible. Artiste qui partent trop polémique. Oui. Bon, j'ai envie de dire c'est ton bon nègre. Bon nègre, c'est ça. Et malheureusement, il mourut en pleine gloire, en de pleine de lumière, dans le plus gros concert que haïtien jamais essayé de faire dans toute histoire musique haïtienne. Wow. Parce que wow. concert où tout Karimien c'est salié. Accor Arena, c'est une plus grosse salle en France. Karimi t'a joué là-dedans pour contre lui. Mm-hmm. Il pleine. C'était record absolu. On n'avait jamais vu ça. Et malheureusement, article sur concert-là n'a jamais écrit. Parce que drame n'a pas pris toute place. Là. Ah, malheureusement. Article qu'on devrait faire. Oui, oui, article n'a pas jamais écrit. Oui, article n'a pas jamais écrit. Ok. Parce que drame. Vraiment, oui, père son âme, mais il a marqué l'année 2022. Mm-hmm. Dans pile l'autre monde qui mourit. Oui. Monsieur Jean-Baptiste mourit. Moun mourit dans massacre. Haïtien mourit dans toutes conditions, dans la mer. Songez l'histoire de monde qui mourit Porto Rico dans le bateau. Tout mort ça, nous saluons mémoire à travers Mika Ben, mais nous ne pas dévaloriser quelqu'un de victime. Pour nous-mêmes, tous ces des Haïtiens qui perdent la vie malheureusement en 2022. Mais nous avons décidé, c'est Michael Benjamin, de mettre en avant. L'autre monde encore, c'est les amputés. Ah oui, c'est ça qui bon nous plaisir. Ah, Monsieur Farrell, nous avons dit pas accident, encore wow. une fois, parce que c'est même pas qui arrive pour Michael Benjamin. Sophonie,
qui c'est, tu as dit, Major Jean, équipe amputée, avec administratrice là. Premier mondial, quand Haïti a parlé que tu es là comme administratrice, tu t'es invité à ticket. Patrick Saint-Pré est allé au Mexique, c'était Monterrey, nous faire reportage. Patrick Saint-Pré, c'est le premier monde qui dit, ça, l'ouel, bah, j'aime l'ouel dans la ville. Il aime le football. Il est content de dire que les gens handicapés jouent au football, mais ça, c'est l'ouel, bah, j'aime l'ouel dans la ville. Parce que ont un train, ont dextérité, ont vraie équipe et ont des résultats. Parce que Haïti a calé les gens. En 2022, Haïti, champion Caraïbes, Amérique centrale, Amérique du Nord. Nous battons les États-Unis, la Caraïbes 6-1 ou 6-0. Et là, dans la Coupe du Monde en Turquie, les joueurs ont été impeccables. Et dans le talent, et dans le comportement, et dans l'envie que vous avez pendant que vous là, pendant la compétition, on petit souffle que le pays a pris parce qu'on a regardé le match. Et en pile, on a sauté dans le quartier compliqué, en pile, on a sauté Cité Soleil, en pile, on a sauté Matissan. Il a expliqué aux difficultés que vous vivez pour traverser le quartier ça pour aller à l'entraînement. Et a expliqué aux gens qui étaient derrière pendant que vous avez un massacre, pendant que vous avez toute qualité de problème. L'équipe vraiment non, extraordinaire. Est extraordinaire, extraordinaire. Là, on trouve que le pays n'a pas assez rendu hommage, mais vraiment extraordinaire. Non, définitivement, comme on dit, on mettait sur l'écran vraiment pour être capable de voir et qu'elle savait là. Oui, oui, oui. Tout le monde est en argentin. Redondo, Messi. Non, mais on connaît que la Fédération haïtienne de football, par exemple, recevoir l'argent de Coupe du Monde FIFA, il était très bon. On a regardé pour les bleus et rouges. Alors, il n'y a pas de FIFA, il faut me dire ça. Non, mais la Fédération par exemple. On pensait que le capable de faire un petit mais il a mérité, il a mérité, le comité olympique, il a mérité. Vraiment, oh, mérité. Ça sont mérité. Gaël bien-aimé. Gaël, c'est à la fois. C'est madame qui est encore madame. Et. Ah, on fait oublier. C'est madame Alphonse. Non, madame Alphonse. Alphonse. Quelle dame. On fait oublier de madame. Bon, en tout cas, Gaël réussit à faire le grand écart. À la fois, la mec des textes en français qui a pris des prix en France, qui a pris un prix RFI pour théâtre. Pas au presse ma douce nuit, quoi, texte arrivé, mais à la fois tout, la fait des bagages sur les réseaux sociaux, c'est que l'in théâtre qui plus pointu a, et l'in a sac plus populaire. Exactement. Parce que là, personnage que le réussit créé a, qui a demandé qu'est-ce qu'on fait a, vraiment, c'est 10 sur 10 c'est pour année a, et Gaël était déjà personnalisé. Et qui explique les réalités que oui, non, tout a, avec bon moyen, bon timing, non, bonne réalisation, non, 10 sur 10. Yep. Gaël était déjà personnalité de l'année pour Nouvelle Liste en 2017. Ah bon? Oui, oui, oui. Déjà, elle était pris des prix, elle était fait des bails extraordinaires. Elle était déjà jeune que Ticket et Wek a explosé. Et elle confirme même d'Akadil, elle continue. C'est fait... pas, et pas souvent mon personnalité a oui. Deux fois, oui. Il y a des choses positives. Voilà, dans les bonnes, pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, Gaël bien-aimé, malheureusement, il y a de moins en moins de pièces de théâtre qui jouent en public ici. Malheureusement, c'est un. C'est une activité qu'on a perdue. L'Institut français fermé en 2022. Focal page a ouvert vraiment en 2022. Tout ça pour dire que voilà tout ton pan, que nous toujours dit c'est le pire solide qui pire était à la culture quand tout s'écoule là. Eh bien, des raisons de sécurité, des raisons de précaution fait que nous ne pouvons pas faire public la rencontrer avec les créateurs. Heureusement que la technologie qu'on y a, donc Gaël, bon, oui, 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 on oui, sait oui. Qu'est-ce qu'on fait. Oui, oui, merci oui. Gaël, compliment. Sébastien Carrière, nous parlons de lui déjà là, c'est ambassadeur Canada, c'est même communauté internationale qui est présent, dans le pays qui est devant, nous chercher des solutions à la crise haïtienne. Mais nous voulons dire attention, on doit avoir les bonnes solutions, parce que nous avons promouvoir tous les mauvaises solutions pour Haïti. Et deuxièmement, nous voulons dire tout, il faut expliquer nous qu'on reste blindé. Parce que blindé, il faut finir par vivre nos jours. Est-ce que tout comme la baille? Haïti dit le pays. Le pays. Haïti dit le pays. On connaît Haïti. Haïti dit le pays. Maintenant, on attend. T'es une livraison que t'es faite avec de façon spectaculaire. Mais depuis lors, nous pas fini d'entendre rien ça passer. N'espérez qu'en 2023, on saura. Et Madame Marjorie Marie-Marguerite Clérier. C'est l'éducation. Ça. C'est l'éducation. Son éducatrice, son président d'association. Mais elle c'est une rare monde qui t'est levé, qui fait conférence, qui dit faut l'école ouverte. Aussi bizarre que ça apparaît pour mon expression qui est sur les réseaux, pas grand pile monde qui fait geste ça, M. Farel. Pas grand pile monde qui dit faut que l'école ouverte et à plusieurs reprises, il prend devant, il dit faut que l'école ouverte. C'est admirable. Camper sous position. Oui, voilà, voilà. Et c'est ça que tu as fait pour position, tout professeur de l'école, tout directeur de l'école, tout parent, tout élève. Parce que lundi l'école là,
c'est de kindergarten à université. Mm-hmm. En passant par l'école professionnelle, tout est fermé à un certain moment, par contre, qu'il est ouvert. Ouverture à beaucoup fin fête, il continue à faire, n'espérer que n'a fini par prendre une vitesse de croisière pour avancer. L'autre monde dans son sportif encore, c'est Coventina, c'est Melchi. Oui. Qui vraiment, et... au niveau mondial, ESPN n'a pas de on n'a jamais vu ça. Ah, oui. On n'a jamais vu ça pour qu'un sportif haïtien, ouais. Quelle que soit discipline, là, c'est la première fois que ça arrive nous, que nous gros sportifs, que nous t'es t'as venu là, quoi, c'est des mondes depuis des années qui a metté comme jeune, mm. meilleur espoir, meilleur à chaque fois. C'est lui-même avec Nerilia, c'est les deux, tu as dit qu'il y a deux locomotives football féminin, mais Melchi devant. Et Jodia là, il a parlé de tout gros club qui voulait prendre Melchi. Melchi dans le classement des 100 meilleurs joueurs ouais. football féminin au monde. Et ESPN fait travailler ça de manière oui. très scientifique. Hein, alors, dans le jeune, il est parmi les meilleurs, dans 11 meilleurs. Elle a quel âge? Et par contre, là, je dis, mais le principe. Ans, hein? Non, moins que 25 ans. Ah, non, oui. totalement. Non, moins que 25 ans. Dit, parce que, oui, non. Il y a tant de vannes. Il y a tant de vannes. Le football féminin a dominé mon âge. Monté. Hein? Mais espérer que la... il n'y a pas trop de blessures, parce que c'est une bagaille qui est handicapée. Li. Mais vraiment, belle ah, joueuse. Je vais regarder le cap jouer au match. Et en France, là encore. Et. Par contre, non, qui j'aime me dire ça. Génération ça. Qui jouait moins de football en Haïti, mais tout commence en Haïti, mm-hmm. parce qu'on dit ça. À la différence de messieurs, garçons qui ont joué dans MLS aux États-Unis, qui souvent fait aux États-Unis, mais d'origine haïtienne, mesdames football féminin, sont en province, tu commencé en Haïti et y a brillé à l'étranger. Mm-hmm. Il y a plus d'une dizaine qui ont joué dans le championnat français, il y a qui ont joué dans l'autre côté, parce que je dis à la football haïtien, il y a un joueur haïtien dans l'amputé qui a joué en Turquie, il y a un joueur qui a joué dans MLS, il y a un joueur haïtien qui est champion dans. Équateur, moi quoi, AD. Et nous, tout côté, nous jouons au football. Israël. Et il y a une bagarre que je me suis dit, ma collègue a dit, l'île pour un joueur haïtien qui est un grand championnat. Nous avons assez de grands championnats, mais quand même, nous avons un saut qui fait ces cinq dernières années avec le football haïtien. Pendant le football, là, pas joué en Haïti, malheureusement. Mm-hmm. Dans combien là? Nous presque fini. Mm-hmm. Ariel Henry, bon, premier ministre, c'est la personnalité. C'est le major Jean, c'est le pays assez nommé lié. Mais il doit faire mieux, il doit faire plus. Éric Jean-Baptiste le disparu, oui, malheureusement. Que comme politicien modéré, que comme sponsor, que comme mécène, que comme monde de bon commerce. Individu comme un monde qui vend plus de livres en 2022 dans le livre folie. Il fait un livre politique. Okay. Parce qu'on fait des éditoriaux, qu'on fait chaque semaine. Vrai. Son livre politique, c'est Vision, c'est Jean Le Théoué et Avenir Pays. Pelé. Parce oui, que nous trouvons que jouer ça, vu l'histoire avec Haïti, ah oui. parce qu'il devine en Haïti, il déjoue dans le statut de 14, oui, et nous trouvons que vraiment, nous n'avons pas capable de saluer Pelé. Ah oui. Premier monde qui fait tout le monde vivre au football là, premier monde qui fait tout le monde avec le numéro 10 dans le ah oui. premier monde que tout le monde dit c'est moi qui Pelé là, moi je dis ça. Il symbolisait le numéro 10. Voilà, voilà. Non seulement symboliser le numéro 10, mais nous avons appropriation de Pelé qu'il fait. Bien que trois canons nous pas déjà moi Pelé qui a joué. Parce qu'à l'époque, pas vraiment de télévision. Oui, mais non, mais ça me l'a dit pas, nous pas trop macho, nous pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous comprenez? Pas que personne qui a dit mais ouais, on match Santos en entier. C'est un peu le football. Ouais, petit bout, mais en réalité, on n'a pas vu grand chose, sauf 70. Mais sinon, on n'a pas vu grand chose. Les sanctionner. Nouvelle se mettent en ombre, parce qu'ils sont nombreux, mais les sanctionnés ont pesé sur l'actualité de cette année. Et puis, dernier monde, c'est Franz Voltaire, qui représentait pour nous diaspora. Franz Voltaire, c'est 50 ans avec Sidika, ouais. qui sont centres, qui recueillent des informations sur Haïti, sur la Caraïbe, sur l'Afrique, au Canada, qui publient un pile livre, qui font un pile exposition, qui étaient attachés avec Haïti. Il y a un bon monde dans la diaspora qui a un plus gros grade académique, qui a un plus gros poste, qui a un plus gros titre que Franz Voltaire. Mais par exemple, pile monde dans la diaspora qui est aussi attaché à Franz Voltaire. Parce que il y a un monde là, une dame qui est président en Vadla, mm-hmm. son accomplissement total. Mais bah, j'aime bien le dire sur Haïti. Sous temps de déjà, on a dit. Il y a un pile l'autre monde, il n'y a pas approprié d'Haïti. Famille d'origine haïtienne, d'origine haïtienne. Mais je dis à là, totalement intégré dans l'autre. Faut pas une nouvelle boule à Mandoré, faut voilà, pas que vous voyez la PQ sur Haïti, voilà, sur voilà. football, sur tes voilà, ça fait des années qu'il le fait, il continue de le faire. Vraiment. Mais il y a un prix à Nessa, tout. Non, il y a un prix dans l'Académie française, il y a un prix au Canada, il y a un 3 prix à Nessa.
Et nous voulons rendre hommage comme un Haïtien qui est connecté avec Haïti. Accroché à Haïti. Qui a fait la cause haïtienne et avancé. Yep. Qu'est-ce qui était 13e là? Non, pas 13e. Pas 13e. Non, non, non. Qu'est-ce qui tombait? Non, il y a plusieurs qui tombaient. Parce que d'habitude, c'est tout journaliste qui a dit non. Et puis, bon, après ça, rédaction évaluée. Et puis, au final, moi, j'ai un mauvais job de choisir. Les gens qui n'est pas là, c'est Messi. Je connais, tu as parlé de ça. Pelé prend place là. Si tu écoutes, tu as Pelé prend. Non, Pelé prend place là parce que Pelé a mouru. Non, c'était Messi. Wow. C'était Messi, mais il a retiré Messi. Hein. Parce que Messi, quand même, ce n'est pas footballeur, nous faisons ça. C'est persévérance là. C'est leadership là. C'est souffrir. Parce que Pelé champion première fois à 17 ans. C'est ton petit monde, il n'y a pas dit que c'est lui qui a mené l'équipe là. Mm-hmm. 62 le champion, quoi, il était blessé. C'est lui qui a mené l'équipe là. Vrai champion à Pelé, c'est 70. Que... Yeah. Messi qui a marqué le monde. Voilà, Messi fait route inverse là. Messi s'est raté, il a raté tout premier. Et puis à la fin. Il est venu en force. Bon, à la fin, vraiment, il a sorti, il a gagné. Et c'était son parcours exemplaire. Son parcours donc, exemplaire. Chers téléspectateurs et auditeurs, on a vu que Messi, c'est numéro 13. C'est boule mauvais. Là, elle a perdu la nouvelle liste. Fon Duval, merci. C'est ton plaisir. C'est ton on plaisir. Que si nous l'avons toujours l'année prochaine, après un rendez-vous. J'espère samedi qui part positif, yo, c'est au pas accompli. Mais j'espère qu'on a fait mieux en 2023 qu'en 2022. Un challenge pour faire mieux. Quoi. Oui, oui. Parce qu'on souhaitait quoi. Voilà. Et moi, bah, prévision, ça m'a eu, mais vraiment, je me démentis que nous faisons le contraire, que nous faisons l'inverse, que nous faisons mieux, et que le pays a fait un bilan l'année prochaine, nous faisons un bilan qui est plus positif. Tout à fait. Le prochain rendez-vous, c'est le 15 janvier avec Pierre-Marie Boisson. Le 22 janvier, on aura encore notre invité. On a fait tout le mois de janvier avec les grands rendez-vous économiques, mais nous glisser politique à la mi-temps pour être capable de faire nous voir tout ça qui comme gros défi pour l'année 2023. Merci, à dimanche prochain.